Salut les amis, salut tout le monde, salut les frérots, en mode dimanche là, en mode petit chill du dimanche. Eh, on parle Jens chez Lulu, les amis, bien sûr. Ça va les copains ou quoi? On va faire un petit match avec la petite équipe, les amis. Puis voilà, merci pour les retweets. Merci les amis. Sofiane, il dit, le frérot, il taffe tout le monde. Non, il taffe tout le temps. Le courage incarné. Pas de Titi. Non, le Titi, il est sorti jouer au foot avec ses copains. Il y a un blocage à cause des gilets jaunes, mais arrête. Oh là là là, l'archouma. Du coup, il y a personne. Vas-y, sors avec eux, demande-leur qu'ils fassent des PES. Ils vont te payer une Kronenbourg. Ouais, ce soir, en mode gilet jaune, avec la Kronenbourg et la merguez. Ils sont en train de faire des feux, mon gars. Oh là là, allez, vedette. Allez, vedette. Eh, vous avez vu mon nouveau maillot, les mecs? Bah ouais, la Juventus. Bim. Max Maillot qui me l'ont envoyé. Regardez, j'ai une petite lettre. Joyeux anniversaire à ta chaîne YouTube, Luthor. Un an, ça se fête et nous te souhaitons que du bonheur par la suite. L'équipe Max Maillot a voulu participer au cadeau que tu souhaitais. Alors n'attends plus et ouvre-le. Et voilà, je l'ai ouvert et c'est ça. Ah merde, il est dans le... Ah, j'ai pas regardé mon équipe, moi. Je suis parti à l'américaine. Alors attendez, déjà, on va pas jouer comme ça. On va jouer comme ça. Bon, on va essayer de pas faire la saucisse, nous. Bon, c'est bien joué, ça. Oh là, il lui met mal, saucisse. Il est où, Moares? Ah, j'avais pas vu, salut frérot. J'avais même pas vu, là, Arès, il est sur Twitch, il est en furtif, les gars. Oh, magnifique, ça, le petit jaune triangle, bien sûr, et Dolberg. Dolberg, pour la tête de Dolberg. Et la tête de Dolberg, il avait du gardien, mais c'est pas possible. Dolberg, t'es une saucisse. Ah, il a fini My Club, d'accord. Allez, allez, mon petit Nabil. Allez, mon petit Nabil. Ah, j'ai attendu pour faire la passe. J'aurais pu enfiler un gilet jaune, mais fous-moi la paix. Non, je pack pas aujourd'hui, les gars. Je pack pas. Oh là, c'est pas possible. Et pour Dolberg. Oh, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, j'ai trop d'occases, là. Ça sent la fistouille. Putain, la passe qui pue la merde. Il tire toujours sur le gardien. Mais ouais, je te jure, t'as vu ça? Putain, c'est un truc de ouf. Vous avez vu, j'ai reçu l'écharpe de la Fédération Française de Foot, champion du monde, parce que je me suis inscrit à la au club des supporters. Et du coup, il t'envoie un maillot, il t'envoie l'écharpe et tout, c'est cool. Oh! Putain, la passe, elle était magnifique. Oh là là. Bon, on va faire entrer Lochalcho. On va faire passer Martial ici. Et là, on va mettre un peu de vitesse. On va mettre un petit Riyad Mahrez. Oh, le bâtard. Oh là là, j'ai failli la prendre, la carotte. Oh là, j'ai failli la prendre, la douillette. J'ai failli la prendre, la doudouille. J'ai senti quelque chose commencer à chatouiller mon anus, vous avez vu? Mais c'est pas rentré, quoi. C'est resté à l'ouvert, à l'entrée. Fabinho, il est au-dessus. Non, le contre-attaque. Mais non. Non, il a bien joué, il a bien joué. J'ai pas été assez décisif. Chope Julien Tellou, grave. Ah, ces chaises, elles sont puissantes. Ces chaises, elles sont puissantes de ouf. On va se mettre comme ça. Attendez, je regarde. Oh, oh là là, le but. Oh là là, cette action. Oh là 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 là, on est au-dessus. Philippe Melo, c'est un boucher charcutier, grave, mais dans le jeu, il est trop fort. On va pas se jeter. Oh lolo, oh, il l'a derrière. Oh la douille, ça c'est la douille, ça. Ça c'est la douille. C'est comme ça qu'il joue. Tiens, je vais vous le mettre, je vais mettre le petit Messi, les amis. Je vais faire sortir le jeune Eden. On va mettre Messi à gauche. Et on va mettre Caleron à la place de Mbappé, parce qu'il m'a l'air un petit peu cramanche, le petit Caleron. Oh le bâtard! Oh, bien joué ça. Allez, allez Lionel. Allez Lionel. Regardez comme il est lent là, la prise de balle. Oh bâtard. T'as vraiment pas de chat grave. Ah, il y a mon Gugzi. Ouais, je dégage. Sif. Ouais. Ouh. Ah bah je vais peut-être repasser les 700 là. Ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne. On va mettre l'équipe 2. Il y a Bruce qui a répondu à mon com, sérieux que ça? Moi j'adore Bruce Granek, moi franchement. C'est pas pour lui sucer la zézette, mais moi c'est un mec que j'ai toujours aimé depuis de nombreuses années. Et c'est le seul joueur
FIFA que je regarde encore parce que j'aime bien sa personnalité. Voilà. Ouais, heureusement. Heureusement que j'ai pas tiré. C'est avec FIFA, quand je vois des matchs de FIFA, on reconnaît même pas les joueurs et tout, tellement on est habitué à PES. Oh là là, le contrôle. Et on fait des débuts de match, les mecs. Ouais, il manque un fut de champion et la possibilité d'acheter des joueurs. Mais comment il peut louper? Il est à 1 mètre du but! Oh là là! Putain, je lirai vos coms après, les mecs. Allez, bim! Oh, lui met mal! Et Dolberg, il va finir sur le banc, lui, il va rien comprendre. Non, ah, j'ai monté le défenseur, je fais de la merde. J'ai fait de la merde. Tiens, bah, Dolberg en face. Regardez comme il. Oh, mais mon mandat, tu vois. Y a pas mieux que Manolas Simon. Eh bah, franchement, teste Diaz Boost et Koulibaly Boost. Si t'as la chance de les avoir, je te jure que tu vas les trouver au-dessus. Oh, dommage, j'ai tenté la idée Koun. J'ai tenté une idée Koun, moi, c'est pas du tout le même niveau, hein, les amis. Une écoute, c'est niveau Ligue des Champions, moi, c'est niveau Orléans. Voilà, c'est beau, c'est propre. C'est là avec Mirlène. Oh là là, c'est le Brésil. Oh, c'est le Brésil, les gars. Oh. Oh, c'est abusé. Oh là là. C'est ton mat la Jonquera, ouais, grave. Là, c'est la Jonquera, mon gars. Script, t'as tout réussi, enfoiré. Il y a Biélorussie Saint-Marin à commenter. Râleur Lulu. Vous êtes quand même une belle bande de cons, les mecs. Hein, je vous le dis, moi. Tous autant que vous êtes. Non, je rigole. Et je suis surtout à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matchs sans défaite, ça j'aime bien ça. Parce que les matchs nuls, c'est pas des défaites, les gars, je suis désolé. Bah ouais, 10 matchs sans défaite. Alors, ah bah tiens, un petit Philippe Melo qui est en forme. Hein. On va rester comme ça, c'est quand même mon équipe type. Ah, c'est pas les mêmes matchs là. Putain. J'ai du mal, j'ai du mal, il joue mieux que moi. Les mecs. Ah ouais, PS 2000. Oh là là, on a failli prendre une petite douillette, bien sûr. On n'en a pas pris encore, hein, les amis, sur ce live. Ça manque, ça manque. J'ai pas eu d'occasion, j'ai envie de faire ça. Et de mettre Caléron. Ah, je vais mettre votre Messi, les amis. Parce que ça manque de taille devant. Hein. Ça manque de taille. Et Del Piero, pour l'instant, il m'a pas fait kiffer mémé. Ah, j'ai reçu un. Attendez, j'ai reçu un message. On va voir si je me fais insulter ou quoi. Des fois, c'est marrant. Ah, you got lucky. The first to go, hein, Jack. Ouais, c'est ça. I was chasing the game for 5 minutes. L'autre, n'importe quoi, le mytho. C'est l'autre que j'ai mis 7-1. Message de rage. Bah, le gars, il a pris 7-1, mon gars. Il a dit. Il a dit. Il va être à sa place. J'irai revendre le jeu. Putain, il a le pressing de ouf, le gars. Koulibaly. Oh, le bâtard! Et Ruben Diaz derrière, voilà, il y a deux couteaux là mon gars. Tu passes le premier, derrière tu te fais découper. À la faute. Il revient pas à la faute. Ah si, putain, j'ai eu peur. Allez mon Del Piero. C'est quoi ta compo? C'est la compo du Brésil. Elle est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Alessandro Del Piero! La Juve, Forza Juve, les amis! Il est là, le Del Piero! Eh, je veux du GG! Je veux un maximum de GG pour Del Piero! Non! Il loupe sa passe! Mais putain!
Oh, il loupe sa passe. Si j'étais tout seul devant l'autre. Ouais, voilà. Mais si. J'ai appuyé, les gars. J'ai appuyé et la passe, elle n'est pas partie. Oh, putain. Oh la douille, oh la douille, oh la douille, oh la douille. J'ai comme l'impression de l'avoir pris dans le fion. Ah putain, dommage, putain, franchement, j'ai fait trop le croqueur avec Neymar à vouloir faire la passe. Je suis à 425 matchs, vous voyez, de PS. Ouais, j'ai 42% de victoire, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf du tout. Moyenne de buts marqués, hein, 60. Moi, avant, c'était le 4-3-3. Bah, celui, à mon avis, là, je vais prendre cher. Louange 3 or, en plus il a quand même pas mal de points. Ça risque d'être fort, même si je trouve que le niveau est... Oh, il a Lewandowski lui. Même si je trouve que le niveau est un peu moins fort quand t'es en 3 étoiles. T'as la vache. Ah, oh, il est... Benteke, il est costaud, hein. Allez, Benteke de la tête. Non, ça va être pour Fekir. Mamma mia. Oh là, oh là, allez, allez, allez. Ah, il est venu se placer parce que sinon... Oh, maman! Ouais, je l'ai eu, Pellegriboost. Ouais, je l'ai, Pellegriboost, il est ouf. La chaîne... je continuerai à te faire les lives sur la chaîne Twitch, même quand je récupérerai ma chaîne principale de YouTube. Je ferai les deux, en fait, comme là, je fais. Putain. Ah, mais vas-y, Fabinho. Eh, Fabinho, t'es en RTT, frérot, quoi? Là, lui, il travaille pas le dimanche, s'en bat les couilles. Il est là-bas, elle passe à côté de lui, il y va pas. Non, non, il dit, je m'en bats. Il force trop sur Talisca, lui. Bah oui, ça se voit. Oh, je suis dessus, putain. Oh, ça passe. Ouais, c'est pas forcément pas mérité. C'est que la passe qui passe à travers trois défenseurs. Voilà. Ah, passe laser, ouais, passe laser qui passe à travers quatre joueurs, surtout. Là, là, c'est abusé. Et là, ah, ça passe entre deux joueurs. Ah, c'est chaud. Ah, la quenelle, grave. J'ai porté la poids, mais va grave. Allez, dégage, le cousin. Ah, alors là, pareil. Il me donne un mec qui a 100 points de moi. Là, en gros, j'ai tout à perdre, quoi. Soit il me douille, soit je le douille. On va mettre Mbappé. On va mettre Melo, qui est quand même bien. Ouais, ça fait une belle équipe, hein. Il a cul, lui. Bale. Tiens, Bale, Mané, Modric. Ah, il joue avec... il joue aussi avec le... Il joue en mode de Brésil. Do Brésil. Ah, il a Kane dans les buts. J'espère que tu as vu ma vidéo, mon enfant. Il loue une salle. C'est pas mon problème. T'as intérêt de faire des dons, Simon, si tu veux que je loue une salle. J'amène les merguez. Putain, t'as intérêt d'en amener. Est-ce que, allez, on est 5700. Bon, on va dire qu'il y a 10% qui... On va dire qu'on est 5000. On va dire qu'il y en a qui peuvent pas venir, tu vois. On va dire qu'on mange deux merguez chacun, tu vois. Putain, ça fait 10 000 merguez. Putain, il a pas pu armer. Oh, le vieux but. Oh, désolé, parce que le but, il est dégueulasse. Alors là, je le dis direct. Mais attends, on va bien avoir des mecs qui sont végétariens. Il va falloir qu'on fasse des merguez végétariennes. Tu vois, on n'a pas fini de se faire chier, les gars. Ah, c'est dur. Oh, ça passe. Oh, le petit geste, je sais pas si vous l'avez vu. Oh, j'ai le contre. Oh, j'ai le contre. Bon, ça sent le script, hein. Là, c'est le script, hein. Je vous le dis direct, hein. Deux merguez par tête, t'as cru qu'on était en Somalie. Ouais, mais il n'y aura pas que ça à manger, les gars. On va faire des petites salades de riz, des petits concombres. Voilà, quoi, tu vois. Les vegans, ils nous font chier, ils vont manger du pain avec du ketchup. Ouais, mais ils vont dire que le ketchup, c'est fait à partir de tomates. Et les tomates, quand tu les cueilles, la tomate, elle souffre, hein, frérot. Non, en vrai, faut manger de l'air. Faut manger de l'air, les amis. Ça, tu fais de mal à personne. T'as des mecs comme le cousin, eux, ils mangent liquide. Donc, eux, c'est pas un problème, tu vois. Ah ouais, par contre, t'as l'alcool, ça a coûté cher aussi, avec vous, bande de sous-l'eau. Tu en as plein qui viennent d'Alsace. Ah, et là-bas, ça suce pas que des glaçons, comme on dit. Mais ta talonnade, mets-la dans ton fion. Arrête. T'as passé une bonne journée. Merguez. Le rhum. Salade de riz. Ouais, le cousin, lui, je sais pas ce qu'il a ramené, les gars. Lui, faut pas compter sur lui, parce qu'on va manger, diète. Hein. Ouais, le cousin, il va amener les glaçons, lui, les gars. C'est une pince. Il avait plus de Kimdan. Bah, demande à Arès. Arès, c'est pas une pince, le cousin. Ah, Julie, elle ramène ses blagues. Eh ben, celle-là aussi, elle va nous faire la pince. Ça va, ma Julie, ça va pas te coûter cher, hein. Faut venir à Strasbourg. Ah, mais moi, j'ai pas mes vaccins, je suis pas à jour, Simon. En plus, j'ai pas de combinaison polaire et tout, laisse tomber.
Ouais, oh, ça là! Oh, le bâtard! Oh, la mort de rire! Oh, la varade! Vivement qu'il y ait du Red Dead en ligne, qu'on fasse les cons, les amis! T'imagines un serveur privé qu'avec des merguez? Ça peut être ouf! Il y a faute, peut-être! Ah, bah oui! Allez, but! Koulibaly, ah, il est trop fort! T'es un fou, parfois, tu lâches de ses pensées profondes! Je sais même plus ce que je dis, tellement je dis des conneries! On me dit dans l'oreillette que le script est en marche. Arrête! Tu vas me porter l'œil, toi. TTGG, arrête, c'est Booba et la Fouine. Ouais, sauf que tu verrais les physiques, c'est pas Booba et la Fouine. Hein. Il ressemble plus à une Fouine et à l'ours Booba qu'autre chose, tu vois. C'est ça, tu prends une Fouine, tu vois, c'est le cousin. Tu prends l'ours Booba et tu mets les deux, c'est Arès et le cousin, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, la même tête. Inch'Allah, je la mets. Inch'Allah, je la mets. Oh non! Maouinei, but dégueulasse! 3-1, but dégueulasse! T'as, j'aurais mis quand même 3 buts bien dégueulasses! Hein. Oh, bien joué ça! Super! Allez, bim! Lui aussi, il va acheter FIFA sur le store! Ouais, mais là, le pauvre, lui, il a pas beaucoup de points, tu vois, donc c'est pas grave. Il va progresser, mon ami. Il va progresser. En plus, t'es mal, l'autre, je lui fais rentrer des joueurs, mon frère. Hein, il va saigner du nez quand il va voir. Olé, oh là là, dommage. Ah, le frérot Arès qui a dépassé les 1000 abos, là. Pouah, ça, c'est la classe. Allez, 4-1. Ah, on repasse la barre des 700. Bon, un dernier avec la grosse équipe. Allez, un dernier avec la grosse équipe. D'ailleurs, j'ai envie de lancer un débat, les gars. Est-ce que vous êtes plus crêpes ou gaufres? Parce que moi, j'avoue, je préfère les gaufres, tu vois. C'est ouf, hein. Je sens que le cousin, ça va t'intéresser, ce débat. Voilà, comme on lance des débats sur la chaîne de Luthor. Et on lance aussi des débats politiques. Vous voyez, crêpes ou gaufres, paf, mon gars. Ah, on n'a pas peur de clasher, nous. Confiture de mûre, ça biche. Non, Nutella, Nutella, obligé. Ah bah, de l'huile de palme, les amis. L'huile de palme. Ma copine est bretonne. Voilà, Saïkou, Saïkou. Bah, je vais te dire un truc, mon Saïkou. T'as pas de couilles. T'as pas de couilles, mon Saïkou. T'aurais des couilles, ta copine, elle est bretonne. Tu dis gaufre, rien que pour la faire chier. Et après, tu dis, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Va faire des gaufres avec de la farine de sarrasin, on verra après. Excusez-moi, je me suis un petit peu enflammé, mais moi, des débats comme ça me rend hystérique. Ça me rend hystérique. Il y en a qui se mettent à critiquer la gaufre alors qu'elle, elle a rien demandé. Moi, ça, je trouve ça complètement inadmissible, les mecs. Tiens, on va mettre Messi, rien que pour vous. Attends, vous allez me dire, on le met en SA ou en MO, les amis? PTDR, je vais lui répéter mot pour mot ce que t'as dit. Vas-y, mon Saïkou. Vas-y, impose-toi un peu, bonhomme, va. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces crêpes au sarrasin, la bigouden? J'espère qu'elle met les chapeaux comme un, c'était. Elle lui fait des danses comme ça, Saïkou. SA, allez, SA, les mecs. Bim. Je savais même plus pourquoi. Je dis, pourquoi ils disent ça? Je m'en rappelais plus que je vous avais posé une question, les gars. Je suis de plus en plus en contre-attaque. J'ai vraiment sombré du côté obscur de la force, les mecs. Ah, et ça à droite. Bon, bah, les gars, on va changer. Excusez-moi, ça change tout. Vous avez raison. Comme ça, il est sur son pied gauche. Et je vais tenter vos enroulés. Hein. Et si ça rentre pas, ça a chié des bulles carrées, les mecs. Après, pain au chocolat, aux chocolatines. Ah, mais moi, il y a chocolatine, ça n'existe pas dans ma vie. Chocolatine, ça n'existe pas. Je sais pas qui c'est qui a chié chocolatine. C'est complètement con, chocolatine. N'importe quoi, chocolatine. Déjà, nous, on n'avait même pas de sous pour s'acheter des pains au chocolat quand on était petits. Il n'y avait pas de débat, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des mecs qui s'embrouillent pour ça, tu sais. Genre, ils se traitent et tout sur Twitter. Ouais, n'importe quoi, un chocolat. Oh là, il m'a fait quoi, lui? Ouais, n'importe quoi, on dit jamais pain au chocolat. Ouais, gars, t'as que ça à faire. Va mettre un gilet jaune et va défiler dans la rue. Hein. Je te jure, ils vont défiler pour les pains au chocolat, chocolatine, on va rien comprendre, les gars. Sauf que je lui dirais que c'est toi qui m'as dit, bah vas-y, mon Saïkou, t'inquiète. Sais, j'ai déjà hébergé un mec qui vient de Strasbourg, j'ai peur de personne maintenant. Putain, hey, faut que j'arrête de lire le chat là. Plus que vous dites, c'est pas intéressant, les gars. Je vais me faire insulter. Insultez-moi, les gars, bien sûr, oui, j'aime. J'aime me faire insulter. Je sens que ça va être un match de merde, hein, je le dis direct, les gars. Parce qu'avec votre Messi en SA, vous m'avez fatigué. Oh là 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 là, il sait même pas faire une passe, votre Messi. Il joue pas mal, le mec. Hein.
Mais qu'il y a quoi? Oh le bâtard! Oh le bâtard l'arbitre! Oh le bâtard! Eh, vous avez vu ce qu'il arrête? Oh le chien de la casse! Ouais, je parle un peu comme une racaille, les gars. Oh là là, et l'autre il arrête une contre-attaque, je faisais triangle, Neymar était tout seul sur le côté. Attention les gars, je pense que votre Messi il va pas durer bien longtemps. Vas-y toi, non! De toute façon, tout c'est de la faute de Messi, les gars, je m'en fous. Oh, oh qu'il est beau! Oh là là, qu'il est beau! Oh là là, qu'il est beau! Chut! Chut, le bâtard! Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant de votre Messi là? On n'a pas besoin de votre Messi. Bon, il fait la passe décisive, je crois. Ça compte, Simon, ou pas? C'est le bâtard. Oh là là, mais les gars, c'est le Brésil ici! Mais c'est le Brésil ici! Oh là là, ça va trop vite pour lui, il a mal à la tête! Ah, Couli. J'ai essayé de faire marquer Messi, les gars, mais je suis même pas sûr d'y arriver. Oh, la passe, elle est magnifique! Oh là 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 là! Oh, le rush kit! Allez, hop là! Ah, merci, poteau, désolé, désolé. Et allez viser, allez viser, hein! Football champagne, mais bien sûr, c'est le Brésil ici! Vous aviez envie que je vous refasse la petite danse. Je sais que vous avez kiffé la danse du Brésil. J'aurais bien aimé mettre la vraie musique, mais j'avais peur de me faire strike, tu vois. L'effet Messi Kelvin. Oh, l'escroc Kelvin. Messi, il a rien foutu du match, les amis. Arrêtez. Oh, j'ai joué à 10 en plus. J'ai joué à 10. Ah, vous êtes vraiment une escroquerie sans nom. Il a désinstallé PES. Je crois, tu sais, il a appuyé sur Eject, il a pris le CD, il l'attèche comme ça. Il a vendu la PS4 pour retourner sur Game Boy. Vous êtes quand même une bande de petits bâtards, les mecs. Ça se trouve, c'est un abonné, hein. Ça se trouve, il est gentil. Il a accroché le CD dans le jardin pour les oiseaux. Meilleur van de la journée. Meilleur van de la journée. Oh là là. X. Je suis con ou pas? Mais on est des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards, parce que moi, je suis pas comme ça, les gars. Vends-le, Messi, t'auras 300 GP. Bon, bah, les amis, c'était un live sympa. On a bien rigolé. Hein. On a fait quand même une. On a fait quand même un bon truc, tu vois. Un bon truc. On va regarder le bilan. On a 2 nuls, 2, 3 victoires, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ça va. Bonne soirée, les amis. Cœur sur vous, bien sûr, mes petites merguez. Et puis, à bientôt. À bientôt, je sais pas quand. Bientôt, quoi. Allez, bisous. Ciao, ciao.